vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en une minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. Au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1 000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1 000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Je pense que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est votre franc-parler. Ah, merci. Une des émissions que j'ai suivies où vous étiez encore dans un autre fauteuil, vous avez été très dur avec tous ceux qui gravitent autour de la culture et qui n'accompagnent pas réellement la culture. Hein? Vous avez dénoncé par exemple le 1 milliard qui devait être mis à disposition des réalisateurs burkinabés pour produire un film qui allait compétir au FESPACO. Vous avez trouvé que c'était, j'utilise le mot, ridicule, c'était une insulte. Cher ami, je vais parler. Je veux simplement dire que le problème est fondamental. Je t'explique un phénomène très bête. Quand un artiste a un projet, il va avoir des bailleurs de fonds. Bon, on va prendre le seul guichet que tous les Africains francophones connaissent, la France. Il va en France pour trouver des partenaires. Il y a des partenaires là-bas qui ont soif de montrer, de démontrer que ils sont multiculturels, ils sont intègres et tout ça, vont trouver des miettes et dire, bon, on va t'accompagner avec ton projet. Mais il faut que toi, dans ton pays là, que tu puisses nous ramener une garantie. Ne serait-ce que de l'État ou de quelqu'un qui te soutient pour que nous puissions venir, il faut quand même que toi aussi tu aies un minimum, quoi. Ouais. Hein? Et toi, tu reviens chez toi, tu regardes autour de toi, c'est le désert total, absolu. La seule lueur d'espoir, c'est le ministère de la Culture. Tu vas voir un ministre qui te dit, mais toi-même, tu es bien, puisque tu as pu aller dégoupiller quelques fonds à l'extérieur et tu viens... Donc, il faut nous montrer aussi le topo, on va aller... Tu dis quoi en ce moment? Dans le fond, écoute, on est tous des mendiants.
on bouffe sur dans le plat d'autrui. C'est ça qui est le défaut de notre culture. Wow. C'est ça qui est le défaut de notre art, de tous les artistes ici. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait des mécénats qui aient confiance que l'art là va les aider à se propulser sur le plan international. Les artistes, moi je le dis, hein, sans les artistes, le Burkina va s'arrêter d'un seul coup. Non, on est d'accord qu'il faut... On va applaudir ça. Quand on invite Issaka, on invite aussi Issaka le mélomane. Donc c'est celui qui aime la bonne musique, qui écoute la musique de chez lui. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes allés quelque part à Zabré chercher une dame qui aurait pu passer le restant de sa vie là-bas dans son Zabré natal à regarder les troupeaux puisque c'est une Bissa. Le sort a voulu qu'elle vienne dans la capitale et qu'est-ce qu'elle chante très bien cette dame. On l'adore tous, on se met tous d'accord pour dire qu'elle a du talent. Awa Boussim est parmi nous et elle vient pour saluer yes. Issaka. Mesdames et messieurs, applaudissements parce que c'est inédit et c'est quelque chose de joli. Bravo! Awa Boussim! Merci, merci. Awa! Merci.
Ah ouais, reste merci juste là. Ah oui, ce pays est formidable. Ouais. Merci. Oui, parce que quand on entend ça, c'est Awa encore puissance 10 pour ce qu'on a connu il y a 2, 3, 4, 5 ans de cela. Awa nous revient encore plus fort. Imhotep, je vous laisse le commentaire parce que c'est tout chaud, c'est inédit. Et elle a voulu passer ici au Grand Café et présenter ça à Issaka Sawadogo et à toute l'équipe du Grand Café. Wow. Oui, là je me mets debout, c'est rare qu'un Gourossi se mette debout pour honorer un esclave. Non, on applaudit pour le Gourossi. Mais l'humilité oblige parce que chez les grands comme les Gourossi, l'humilité est une valeur importante. Et donc en toute humilité, je me mets debout pour dire bravo. Bravo, parce que quand on sait qui vous êtes, d'où vous venez, merci, et où vous êtes en train de nous amener, vous en tête, et ce beau clip, le jeu de scène sincère, on ne sent pas quelqu'un qui se dit « j'ai pas été à l'école », donc est-ce que… Non, vous êtes sincère, vous êtes un artiste. Ouais. Merci. Oui. Bravo. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Je veux juste signaler deux choses. À Awa Boussim, c'est la traduction de ce que nous devons être en tant qu'humains, à toutes les échelles que ce soit, dans toutes nos activités. C'est-à-dire partir en griffe de nulle part, sans caméra, pour aujourd'hui briller de mille feux sur les grandes scènes au point de devenir Koundé d'or 2018. Ouais. Ça, quand même, je pense que c'est pas rien du tout. Après le Koundé d'or 2018, Awa Boussim continue son chemin et continue de nous propulser un peu plus en avant. Je suivais une émission d'elle sur une télévision ivoirienne, ouais, où, assise, elle parlait d'Abidjan. Ouais. Un bon Burkinabé, un bon Mossi, quelque part, qui disait « Bidjan, c'est mon village, je suis… » En fait, sans complexe, et je pense que chacun d'entre nous, avec son talent, doit être sans complexe et dégager beaucoup de force, yes, et naturellement nice, se faire applaudir par le public. Applaudissements. Je voudrais laisser le mot à Issaka Sawadogo parce que c'est à ton café qu'elle vient quand même, Issaka. Non, mais quand je la vois, vous allez m'excuser, je voudrais rendre hommage à Gata Yelemo. Ouais, il est beau. Ouais. J'ai rarement vu une artiste avec autant d'énergie, de force, de puissance et de vision qui devait, mais malheureusement, la vie a été ce qu'elle est pour elle. Ouais. Puis, j'ai connu notre sœur aussi, qui est Bissa. Samirama, oui. Mais une bête de la scène. Ouais. Et aujourd'hui encore, on est servi, ouais, avec Awa qui vient encore reprendre le flambeau, ouais, et va encore plus haut. Tout ce que je peux dire, franchement, d'abord, ma maman s'appelle Awa. Wow. En honneur de ça, je te dis, tu es ma maman. Wow. Et en plus de ça, tout ce que je demande, je prie Dieu, merci, notre Seigneur, merci, qu'il te propulse encore très loin et que sa main puisse en soi. Applaudissements. Merci. Voilà. Merci. Je voulais parler de la direction artistique de ces clips. Parce, ouais, que moi, depuis le début de ta carrière, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Ces clips sont toujours magnifiques. Et c'est là qu'on voit le paradoxe des vues sur les réseaux sociaux par rapport à la beauté et à l'esthétique des clips. Ouais. Il y a une adéquation que moi, je n'arrive pas à comprendre. Ouais. C'est le genre de personne qui est censé avoir des millions de vues sur, ouais, YouTube. Comme quoi, les clips les plus vus ne sont pas forcément pas les plus beaux. Oui. Exactement. Voilà. Ah, et moi, je veux la féliciter sur ça. Ouais. On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière le clip. Ouais. Tu comprends ce qu'elle dit dans la chanson, ouais, à travers le clip, alors qu'il n'y a pas d'acteur, tout ça, c'est juste la danse, la mise en scène. Ouais. Et moi, je tiens vraiment à la féliciter. Applaudissements. Alors, attention, on va parler un peu français. Non, il faut parler, mais c'est vraiment ici. Sinon, je t'amène dans mon village. Moi, je suis pas français. D'accord. Voilà. Avec Awa, il y a des mots, hein. Il y a des mots. Je sais. Ah ouais, c'est un single. Qui va annoncer prochainement un album. Oui. Ça se fait avec Petit Jeannot, oui, l'arrangeur. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Parce que lui aussi, c'est un métronome des machines et de l'arrangement. En tout cas, tu es venu nous présenter ce single pour la première fois ici au Grand Café. On est très, très contents. Quand on va préparer tout l'album, on te souhaite de venir ici. On va avoir un traducteur Bissa. Et tu vas t'asseoir là, on va faire le café dans le grand fauteuil. Alors, c'est ton patron? Voilà, tu es ma patronne, d'accord, non, j'accepte. Alors, c'est dis le petit mot à l'endroit de tous ceux qui te regardent. Oui. Voilà, un petit message à l'endroit de tous ceux qui te regardent, qui aiment ta musique.
En tout cas, et chanson qu'on m'a déjà fait, Shingena, s'appelle Amour. Amour. Et puis la paix. Et puis la paix. Voilà. Parce qu'ils sont beaucoup. Alors, il a tombé malade à terre. Ouais. Mais comme il a tombé malade à terre, là, même, comment il a gagné beaucoup de l'argent. Même. Ouais. Dieu n'a pas sauvé François, il ne va pas lever. C'est ça. Voilà. Donc la santé avant tout. Voilà. Donc, quand Dieu est donné bonne santé, il ouais. faut manger avec ton famille ouais. tranquillement. Ouais. Et va encourager côté comme la gauche, comme ça, à droite. Voilà. Et va encourager quoi. Merci. Voilà. Donc, c'est tout. Moi, je ne parle pas beaucoup. Ah oui, ouais, ça, bah, c'est... Elle peut le dire Ambissa, non? Ouais, c'est... Dis-nous ça, Ambissa. Bravo, mon fils. Approvisé pour le D'accord, dis ça, Ambissa. Ambissa, rapidement. En tout cas, moi, c'est comme Kawe Kouanabe, Bam Manga. Donc, il faut que tu te dises, ki doga daw ku sunu miyebe ginte kan fomi ki mi dirkan zana gi saw kan e besobe ku na na je pusa ki dama e firnyo re ba kan fomi ku je kan la kam kamise dunya ma karum be merci bravo so merci bravo bravo a bientôt merci beaucoup on y va avec Aude. Vous êtes un acteur qui a beaucoup voyagé qui a beaucoup fait l'Occident. On a tendance à entendre les acteurs occidentaux noirs parler de beaucoup de racisme dans le milieu du cinéma. Moi, j'aimerais avoir votre expertise de professionnel et de personne qui a côtoyé beaucoup de blancs. J'ai vu que vous avez fait beaucoup de films avec des réalisateurs belges et tout ça. Oui. Bon, dans le monde entier, malheureusement, quand la médiocrité n'a pas de couleur... Hein, et ça n'a pas de nationalité non plus. Donc moi je trouve que depuis que je suis parti du Burkina pour aller séjourner en Europe, j'ai rencontré des gens médiocres qui se comportaient comme des racistes. Pour moi c'est de la médiocrité, c'est des gens qui n'ont rien compris de la vie. J'en ai rencontré beaucoup aussi ici au Burkina et un peu partout dans certains pays africains, des Africains qui se comportaient aussi et envers leurs frères et sœurs africains d'une manière médiocre, je dirais, pour ne pas dire raciste. Il y en a partout. Mais en face à ces gens-là, il ne faut pas vraiment perdre le temps. Et c'est ce que moi j'ai fait. Moi, un jour au Théâtre National, ce qui me plaisait beaucoup avec mes collègues là-bas, c'est que c'est quand ils ont trop bu, que la vérité sort. Invino veritas. Voilà. Vérité est dans le verre. Donc, il y a un des comédiens comme ça qui me regarde, je ne sais pas, il avait combien de bouteilles de vodka dans la gorge. Il me dit, mais qu'est-ce qu'un nègre comme toi fait ici au Théâtre National? À l'époque, je fumais et je suis resté, je l'ai regardé, j'ai rigolé. Et la salle, tous les autres collègues, ils étaient là, il y en a qui riaient dans leur coin, il y en avait qui étaient totalement gênés. Personne n'a parlé, ils attendaient que je... Parce qu'ils me connaissent. Ils savent qu'en temps normal, ouais. ce type-là, il va recevoir ce qu'il doit recevoir de moi. Mais ce jour, je me suis dit, bon, écoute, je ne vais pas perdre le temps avec lui, on est tous godés. Je me suis contenté de rire. Et puis, je couvais comme ça, je ruminais comme ça ce mot-là, et je cherchais le bon jour pour le répondre. Sauf qu'il a compris son erreur, je crois que les autres lui ont parlé, et deux jours après, c'est lui-même qui vient me retrouver au café et qui se lève devant tout le monde et qui dit « Oui, lui, c'est mon nègre préféré. » Et puis, tu vois, et puis après, il dit « Mais attends, vous le même, on doit vous appeler comment ? Est-ce qu'on vous appelle des noirs, vous vous plaignez ? On vous appelle des nègres, on doit vous appeler comment ? Donc, il a dédramatisé la situation. On a tous rigolé. J'ai dit, mais bon, et nous, comment nous, on va vous appeler? Des blancs, alors que vous n'êtes pas blancs, réellement. Est-ce qu'on vous appelle, je ne sais pas moi, des cochons? Parce que si on racle le cochon, bon, on voit que la peau... Mais comment on va vous appeler? Bon, écoutez, on oublie tout ça. J'ai un nom, tu as un nom. Ouais. On ne s'appelle pas nos noms. Donc, on a rigolé comme ça autour de cette affaire. Et c'est passé. Mais
J'avoue que mon passage au Théâtre National, là où j'ai le plus de temps vécu en Norvège, en Europe, c'est la Norvège, ça a révolutionné complètement leur façon de vivre. Parce que j'étais quand même quelqu'un qui... Ce n'est pas parce que je suis au Burkina que je dis la vérité. Hein. Même là-bas, on me connaît pour ça. Moi, je te dis, je te crache ma vérité et je te dis tout simplement, tu ne marches pas sur moi. Tu es un être humain, c'est tout. Un jour, j'étais obligé de leur dire, ils sont tous là, dit, ouais, nous, on est des hommes riches, on est riches, on est riches, on est riches, on est riches, vous êtes pauvres. J'ai dit, attendez, l'État norvégien est riche. Mais vous, individuellement, vous êtes des pauvres. Parce que moi, quand tu arrives chez moi... Quand tu arrives chez moi, moi, je t'amène, je te montre ma cour. Oui. C'est ma maison. Oui. Je te montre ma villa. Je te donne une voiture, tu vas te promener. C'est ma voiture. Oui. Et je t'amène dans le restaurant, je paye de ma poche, tu manges, on ne partage pas. Mais toi, si tu m'amènes tout de suite chez toi, ce n'est pas chez toi. C'est un prêt bancaire où peut-être tu es en location. Si tu prends une voiture, tu ne vas pas me donner la voiture parce que ta voiture même, c'est, tu payes tous les mois à la banque. Rien ne t'appartient en fait. Donc toi, tu es un gars qui vit en sursis. Donc toi et moi là, qui est plus riche que l'autre? En plus de ça, vous dites que moi, je dois m'intégrer à votre culture. Je viens d'une nation où il y a 65 groupes sociaux culturels, ouais, avec des valeurs culturelles, mais c'est toute une académie de culture, le Burkina Faso. Et vous, vous n'avez que deux. Vous parlez que deux langues. Quand on quitte l'autre, on va à l'autre, il n'y a plus rien. Qui doit s'intégrer dans l'autre? Est-ce que moi, je m'intègre à vos deux cultures là, ou bien c'est vous qui devez vous intégrer, ouais, à ma soixantaine de, wow, de cultures, ouais. Donc du coup, les rapports de force... Parlant les rapports de force changent. Ouais. C'est vrai, je ne suis pas venu comme ça, d'un arbre tombé comme ça, et quelqu'un qui n'a pas de culture. Arrêtez de me considérer comme un homme inculte. C'est moi qui dois vous enseigner ce que c'est que la culture et l'intégrité. Alors, parlons de langue. Pour, oui, un acteur comme vous, oui, il y a quand même quelque chose de très important quand on regarde tes films. Tu t'exprimes dans plusieurs langues. Oui. Ça veut dire que le haut niveau, quand on veut devenir professionnel, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Et il y a des codes qu'il faut comprendre. Et oui, ça, c'est le travail et les recherches personnelles qui, d'accord, te permettent d'avoir ces codes. Bon, j'ai répondu à ta question. Le racisme, pour moi, ça existe, mais il faut balayer ça du revers de la main et tu avances. Oui. C'est la démarche des grands. Quand tu es un grand, tu ne perds donc pas. Il faut, bon, maintenant, former. Les langues, les codes, c'est quoi? C'est très simple. C'est les chansons des enfants, les berceuses. Dans n'importe quelle langue, quand tu t'attaques aux berceuses, c'est-à-dire que comme on chante des petites chansons comme ça aux enfants pour qu'ils dorment là, la mélodie, la musique de la langue et tout ça se trouve là. Si tu commences à apprendre ces chansons-là en regardant la signification, si vous voulez essayer, hein, prenez des petites chansons pour les enfants, même en chinois, avec le sous-titrage, vous allez chanter le chinois comme ça, facilement. Et c'est par ça que moi, à chaque projet, quelle que soit la langue qu'on me dit, moi je fais, justement, je travaille comme ça. Je fais enregistrer mes dialogues, ouais, dans la langue que je dois interpréter, ouais, je l'écoute, mais avant de faire ça, je prends des chansons des enfants et j'écoute pour décoder la langue. C'est-à-dire que la musique de la langue, je l'intègre en moi. Et puis, c'est tout. Et puis, en plus de ça, ce qui est encore... Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, quel que soit le français ou l'anglais ou la langue qu'on te donne le scénario, moi, je traduis systématiquement ce que je dois dire dans ma langue maternelle. C'est-à-dire que j'apprends mes répliques en français. Maintenant, comme le français, c'est aussi, je dirais, une langue maternelle pour moi. Ouais. J'essaie de redire ça en mouré. Ouais. Parce que quand tu dis à quelqu'un, à toi par exemple, si je te dis « mon frère », en français, je dis « mon frère », ça ne sonne pas de la même manière que quand je te dis « comment on dit mon frère en mouré ?»« Comme Nermengay, non ?»« Mkiema » ou bien « Myowa ».« Myowa ». Ou bien Mkiema. Tu vois, c'est différent. Mkiema, déjà en Moré, moi,
nous, dans notre famille, on n'appelait pas papa, papa. On l'appelait Nkiema. Parce qu'il avait des grands frères. C'était le plus grand de la famille, là, de la ligne des papas, là. C'est lui qui est le papa. Tous les autres qui sont derrière lui sont des grands frères. Même notre père biologique, on l'appelle Nkiema. Mais en même temps, celui qui est né avant moi de la même mère, ou en tout cas qui est l'aîné de la famille en tant que frère, là, on l'appelle aussi Nkiema. Donc, mais on comprend les codes. Bien sûr. Tu vois, donc la langue maternelle a beaucoup plus de profondeur, ça a beaucoup plus de racines, de parfums. Ça t'imprègne vraiment dans l'expression que tu veux donner, ouais, mieux que la langue étrangère. Bien sûr. Donc, au moment où tu as assimilé ça dans ta langue maternelle, tu mets maintenant le français ou l'anglais sur ce mot-là, ouais, mais tu le dis vraiment avec tout le parfum et tout le sentiment qu'il faut. Issaka, ouais, on va aborder une toute autre question. Puisqu'on a parlé de langue, on a parlé de culture, une question sur la nationalité, ouais, d'Issaka, qui est à la fois norvégien et burkinabé. Ouais. Coach. Issaka, lors d'un passage télé, a développé cette question-là. Ouais. Mais pour les téléspectateurs du Grand Café, il est important quand même qu'on puisse revenir là-dessus. Vous dites que vous avez renié votre nationalité burkinabé pour embrasser la, oui, nationalité norvégienne. Oui. Oui, parce que à l'époque, quand j'étais en Norvège et que j'avais fait mes 7 années de vie dans le pays, j'avais 2 choix que l'État m'a donné une lettre en disant « Vous avez le choix entre prendre la nationalité norvégienne ou garder votre nationalité, mais demander de manière permanente chaque année voilà, un séjour permanent. » Je suis revenu ici et j'ai pris attache avec mon avocat à l'époque. Et c'était en 2005. J'ai pris contact avec mon avocat. Je lui ai exposé la situation. Et il m'a dit, écoute, les textes burkinabés disent qu'une fois burkinabé, tu demeures burkinabé. À vie. À vie. Ouais. Ça ne change rien. Et vu le contexte dans lequel tu es un artiste, tu es un citoyen du monde, à ta place, je te dirais, prends la nationalité norvégienne. Ouais. Et puis, tout en sachant que tu ne pourras jamais nettoyer le sang burkinabé de toi, mais tu es norvégien. Et j'ai bien écouté ce conseil-là. J'ai dit, bon, d'accord, je vais l'accepter. Mais la seule condition pour prendre la nationalité norvégienne, que eux n'acceptent pas la double nationalité, ouais, il fallait que l'individu réunisse sa nationalité, okay, pour dire qu'il prend la nationalité norvégienne. Et c'est ce que j'ai fait sur le plan juridique. Je suis venu le voir. Il m'a amené à la justice. J'ai fait une lettre. Et cette lettre a été enregistrée. Je n'ai pas honte de le dire. Ouais. Et j'ai ramené cette lettre-là à l'État norvégien qui a pris acte de ça avant de me donner la nationalité norvégienne. Cela m'a permis de travailler librement en Norvège, de pouvoir aller partout dans toute l'Europe et de rabattre au Burkina Faso des projets de non moindres comme la naissance du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Ouais. Aujourd'hui, si ce théâtre-là est un théâtre phare d'où toute l'Afrique voit comme un exemple, le CITO, c'est tout simplement parce qu'il y a eu ça aussi. L'espace Gambidi, je peux vous assurer que les tout premiers plans de ce théâtre-là ont été faits en Norvège, à Oslo, par un de nos compatriotes qui est là-bas, qui s'appelle Anatole Wedrago, mm-hmm, qui travaillait dans l'État norvégien au sein de la commune d'Oslo et qui était aussi dans le domaine de l'urbanisme. C'est lui qui a payé de sa poche les tout premiers plans du théâtre L'Espace Gambidi. Et j'ai ramené ça comme ça, sous les selles, remettre à mon professeur Jean-Pierre Gangané. Donc tout ça, c'est pour dire que les Burkinabés qui sont à l'étranger, qui ont pris la nationalité, quelle que soit la manière, restent des Burkinabés et travaillent pour le bien de cette nation. Alors dans le concret, Issaka, ça se matérialise comment? Issaka veut aller, a besoin de poser, de créer une entreprise au Burkina Faso chez lui.
Est-ce que vous vous baladez avec quoi? Une pièce d'identité burkinabé, un passeport norvégien? Non, mon passeport norvégien. D'accord. Ouais, j'ai légalisé, j'ai fait une photocopie de mon passeport norvégien que j'ai légalisé ici. OK. Et puis voilà, c'est avec ça que je dépose. Okay. Si on me demande un document burkinabé, ben en ce moment, je produis mon acte de naissance. OK, d'accord. Qui est quand même burkinabé. C'est un acte valable. Ça veut dire, pour vous qui êtes très franc, droit dans les yeux, vous regardez les téléspectateurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez encourager quelqu'un, un acteur, un artiste, un footballeur, un écrivain, un architecte burkinabé, à renier sa nationalité burkinabé. Et aller prendre la nationalité de notre nation et de vivre et de travailler. En fait, l'artiste, nous les artistes, toute personne qui se positionne comme ça, va au-delà de préjugés, les nations, c'est quoi? D'abord, même, ça dit que ça, c'est une. Il faut faire une remise en question de soi-même. L'existentialisme, là, c'est ça aussi qui détermine nous, les artistes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? Il n'est pas dit que forcément, parce que je suis né au Burkina Faso, que la mission qui m'est assignée dans ma vie, là, doit nécessairement venir du Burkina Faso. Peut-être que je suis né d'ici. Je suis né d'ici et je dois aller ailleurs pour venir servir cette nation-là. Ou que je suis né d'ici, je suis né ici, mais je dois aller servir une autre nation. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur la même terre et tous les hommes sont pareils. Aujourd'hui... En la matière, vous avez fait un choix, celui de renier. Et pourtant, vous aviez la possibilité d'avoir un long séjour, renouveler plusieurs bien fois. Sûr, mais si vous avez choisi de renier, oui, ça s'en pèse en dehors. Bah oui, c'est clair. Okay. C'est comme ça. Après, moi, je pense que c'est une question de plus-value, de ce qui va venir après. Ouais, ce monsieur, il y a très peu de personnes qui ont cette information parce qu'il fait, il valorise ce qu'il est, ce qui est d'être burkinabé. Comme il a dit, il ne peut pas laver son sang. Moi, personnellement, quand j'ai appris ça, c'est vrai que ça choque un moment. Et après, quand tu vois ce que ce monsieur fait pour la culture burkinabé, tu oublies très vite ça. Tu passes au-delà et tu le remercies pour ce qu'il fait pour la culture. Et c'est tout. À un moment, il a dû faire un choix. Il peut être considéré comme mauvais par certains, bien par d'autres. N'empêche que c'était le sien. Il l'a fait et il l'assume. C'est tout. Ce n'est pas le choix qu'on discute, en fait. Ouais. Voilà, on discute les options. Non, oui. Mais en même temps, ça n'enlève en rien toute la considération, toute l'estime, toute la fierté que vous pouvez représenter et que vous représentez fondamentalement pour tous les strates de métiers que vous avez touchés, côtoyés ou dans lesquels vous vous êtes exercé. Ça, au moins, je pense qu'on peut être très clair là-dessus. Imhotep, oui, moi, là-dessus, un bref commentaire et puis je pose une question là. C'est clair, dans la vie, il faut accepter courageusement et souvent contre soi-même des sacrifices et des compromis. Moi, je rentre ça dans le sacrifice souvent nécessaire, contre son cœur, mais contre la volonté, par ce sacrifice de produire des résultats plus grands. C'est clair, moi, quand j'entends ce nom, j'avais jamais imaginé qu'on pouvait associer à ce nom le statut d'un Norvégien ou même d'un Européen. Parce que dans les actes, dans la posture, dans le langage, quelqu'un qui convoque constamment la langue morée ou les langues maternelles africaines dans ses films, je pense qu'il est de nationalité africaine par l'ADN. Mais maintenant, pour la forme, il a accepté le sacrifice. Ce n'est pas évident, mais c'est un sacrifice qui peut être compris. Parce que finalement, chacun de nous est amené dans la vie à faire des sacrifices. Certainement, en tout cas, cette posture demandait explication et je crois que c'est vraiment la je peux ajouter un truc. En fait, c'est pour vous dire aussi que quelque part, quand j'étais en Norvège, je travaillais pas en me considérant comme un Burkinabé. Moi, je travaillais comme un citoyen de cette nation-là. Je vous assure que ce que je fais ici, j'ai fait la même chose là-bas. C'est-à-dire l'approche culturelle, l'approche humaine, l'approche, la recherche de soi-même, le partage, je l'ai fait aussi là-bas. Je ne vous dirai pas, mais quand on va, si je vous sors mon palmarès de tout ce que j'ai fait là-bas au Théâtre National d'Oslo, j'étais l'un des tout premiers Africains embauchés au Théâtre National d'Oslo. Ça, il faut le reconnaître. Et si vous allez dans les archives, on ne peut plus jamais effacer ça. La petite information qu'on a eue par rapport à ça, c'est que le Théâtre d'Oslo est hiérarchisé.
Très bien. Et chaque année ou chaque performance vous permet d'aller au bout de l'échelle. Oui. Issaka a réussi à partir du bas de l'échelle jusqu'au sommet contingent de la pyramide. Oui. C'est comme quand vous commencez la classe de 6e et vous arrivez en terminale, vous validez le bac. Quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vous enlever le diplôme. Et pour ça, on ne peut pas lui enlever ça. La deuxième chose qui est importante à dire, c'est que Issaka parle très peu de ce qu'il fait pour tous les projets culturels qu'il développe là-bas en tant que consultant culturel. Parce que aussi, il appuie des jeunes, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient norvégiens, qui veulent venir investir en Afrique, sur des orientations qu'ils pourraient avoir pour que le projet puisse se porter ici. Okay. Et donc, à ce niveau-là, c'est un consultant culturel qui ne parle pas assez de lui. Merci. Moi, sur ma question, oui, très rapidement, aujourd'hui, on regarde quand même que nos écrans, ce sont des écrans colonisés. Oui. Vous êtes acteur de cinéma, vous êtes même coproducteur avec des magnifiques messieurs comme Oumar Dagnon. Est-ce que le cinéma peut être considéré comme une arme pernicieuse par laquelle on viole l'intimité d'un peuple? Tu l'as dit, et c'est ce qui se fait actuellement. La toute première guerre que nous devons faire, c'est de nous libérer mentalement de l'esclavage mental. Cet esclavage mental-là, c'est ça qui nous tient tous, religieux, politique, intellectuel, tout le monde. Tu prends n'importe qui, n'importe quel niveau de l'échelle, on est tenu par cet esclavage mental. Aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas s'identifier, ne veut même pas, les Africains ne veulent pas s'identifier par leurs valeurs culturelles. Ils veulent s'identifier par les valeurs culturelles d'autrui. Alors qu'on ne nous considère même pas là. Regardez, prenons un exemple banal, terre à terre. Aujourd'hui, nous vivons tous ce phénomène-là. Tu sors ici avec 1 million de francs CFA, tu vas en France, tu vas mourir de faim. Parce que ton franc CFA ne vaut même pas les papiers de toilette de leurs choses. Tu ne pourras pas l'échanger dans aucune banque. Oui, clairement. Mais alors que ce franc CFA ici, on s'entretue à cause de ça ici. On est où? On n'est même pas capable aujourd'hui, nous, une nation comme ça, de prendre nos valeurs, nos richesses et de nous dire on est capable de s'exprimer et de créer notre propre monnaie. Et à qui veut l'entendre, à qui veut l'utiliser, qu'il l'utilise, mais on n'en a rien à foutre des autres. C'est nous d'abord. Les Ghanéens ont fonctionné avec le Sidi pendant combien d'années? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu du Sidi? Même nous, ici au Burkina, on insultait les Ghanéens, on les traitait de pauvres types. Parce que le Sidi, quand tu sors ici avec 100 francs, tu as 1000 francs, 1000 Sidi. Tu dis, oh là là, c'est ces gens-là, tu dois être pauvre. Mais c'est faux. Aujourd'hui, c'est la nation la plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Prenons le Mali. Il y avait le franc malien. Oui, le franc malien. Le Mali vivait en toute quiétude, sans aucun problème, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans le CFA. Toute la merde a commencé au Mali. Tous les problèmes maliens sont arrivés quand les Maliens ont décidé de laisser le franc malien et d'adopter le franc CFA. Le coup d'état de Moussa Traoré. La Guinée-Conakry de Sékou Touré, c'est la même chose. Quand ils ont dit merde à la France, voilà tous les problèmes du monde. Il y avait le franc guinéen. Qu'est-ce que les autres ont fait? Est-ce que ils vous êtes ont animé bombardé. Sentiment alors, mais non, ce n'est pas un sentiment anti-français, mais c'est tout simplement parce que nous, les Africains, il faut qu'on sorte de cet esclavage mental. Merci. Il faut qu'on s'accepte de nous regarder face au miroir et nous voir, nous, et nous accepter comme on est. C'est tout. Issaka a parlé en début d'émission de ceux qui parlent trop. Il dit que c'est des activistes. Je crois qu'on en a un dans notre fauteuil. Il a fini avec le alors, il n'est pas loin d'être un activiste. Les amis, Issaka, dans une salle quelque part, c'était une cérémonie. Voilà, nous avons chopé juste un extrait, c'était extraordinaire. Quand on voit le compatriote qui est récompensé, qui est applaudi dans une salle prestigieuse, ça nous fait chaud au cœur. Mesdames et messieurs, on va voir juste un extrait. On va demander à la régie de nous passer cet élément. Thank you.
Isaka is a Burkina Faso-born actor who lived in Norway for a long time and where he worked many years at the prestigious National Theatre. Hey, la petite souris! Allez voir, maman! Situation now. Et je vois les jeunes se disent, mais attention, ce gars, il faut qu'on fasse les photos avant de partir. Parce que tout le monde se l'arrache ailleurs. Et vraiment, les jeunes, c'est vraiment une opportunité. Ouais, de voir Isaka en vrai ici, de lui serrer la main, de faire une photo et de garder tout ça pour la postérité. C'est beaucoup d'humilité aussi d'accepter de venir à cette émission pour quelqu'un qui court. Et je crois que dans 2 jours seulement encore, Isaka sera parti.
pour caler cette émission, on a dû regarder dans les plans, dans les plans, dans les plans. Oui, et il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'était Kosdine ou Imhotep qui me disait, mais comment il fait de se retrouver en même temps dans trois projets, dans la même période, en même temps. Mais il arrive à le réaliser. Isaka, bravo encore pour ce que tu fais. Merci. Et je voudrais... Nous avons demandé à deux personnes de se prononcer sur vous au plan professionnel, au plan social. Qui êtes-vous vraiment? Vraiment, je vous demande à tout un chacun d'écouter ce qu'ils ont dit à votre sujet. Isaka Sawadogo, c'est quelqu'un... je peux dire d'abord que c'est un compagnon de théâtre parce que nous avons commencé le théâtre presque au même moment. Lui chez Jean-Pierre Guingané et moi chez Amadou Bourou. J'ai eu l'occasion de partager le plateau de théâtre avec lui et ce que j'ai retenu, c'est que c'est une bête de scène. C'est un artiste. C'est un artiste dans le sens noble du terme parce qu'il est passionné. Il est passionné d'art, donc de théâtre et aujourd'hui de cinéma. Et ce n'est pas étonnant qu'il soit passé au cinéma et on a bien vu et on voit bien à l'écran du cinéma ce qu'il donne, son énergie. Et c'est la même énergie qu'il a sur le plateau de théâtre, une énergie débordante, une énergie aussi qui peut être envahissante parce qu'il faut prendre sa place sur le plateau avec lui. Mais toujours est-il que humainement, c'est un garçon qui a une belle humanité. Parce que quand il arrive, même au théâtre, vous savez, quand on est en création, il y a beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions, et c'est le propre de la création. Mais quand Isaka est là, tellement il vous fait rire, il déride l'atmosphère. Et voilà, je retiens ça de lui. Professionnellement, humainement, c'est une belle personne. Il y a beaucoup de qualités. Isaka, salut à toi. Respect en plus. Je vais vous demander de poser cette question à Isaka après avoir entendu ma chanson. Il faut lui demander de vous interpréter de façon fidèle ce que j'ai dit. Et voici la chanson dont lui-même il est le compositeur. Oudougoubala, c'est le quoi, Robin? Oudougoubala, c'est le quoi, Robin? Oudougoubala, c'est le quoi, Robin? Alors, c'est peut-être une chanson, moi j'en sais rien. Peut-être que c'est un rythme, le rythme d'un tambour qui a été... En tout cas, Isaka sait. Demandez-lui juste de vous traduire fidèlement ce que ça veut dire. Isaka Sawadogo, c'est mon frère et c'est mon ami de longue date, depuis les années 90. On a traîné notre bosse ensemble au Théâtre de la Fraternité de feu Jean-Pierre Guingané. Et puis ensuite, on a traîné notre bosse dans toute la Scandinavie pratiquement. Et c'est quelqu'un qui est très audacieux, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est fougueux. Et moi, ça, ce sont des qualités qui me restent de lui. Voilà. Depuis les années 90 au théâtre, quand il veut une chose, on sait qu'il le veut. S'il ne veut pas, ça se sent aussi tout de suite. Il a un degré d'engagement où, en fait, lui, il croit en lui d'abord avant de croire à autre chose. Et pour moi, ça, c'est une très belle chose. De 90 à aujourd'hui, vous voyez qu'il a quand même tracé son parcours. Bravo, Isaka. Et à cause justement de son côté audacieux, fougueux et déterminé. Voilà, quand il lâche, il attrape un bout, il ne lâche plus jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat. Voilà, des fois quand il est très contrarié, tu vas voir qu'il fait ça. Isaka, ça c'est toi ça. Bref, c'est un jeune, je pense, qui a, de par son parcours, il s'est fait la preuve à lui-même. Et d'avoir fait la preuve pour lui-même, je pense qu'il peut inspirer pas mal de personnes qui, peut-être souvent, ont tendance à lâcher trop tôt parce que découragés, ils pensent que, bon, une fois qu'il y a un obstacle, l'univers s'arrête de tourner. Non, Isaka est un exemple qui peut nous quand même parler du contraire de ceux qui vivent de tels principes. Alors, rapidement, un commentaire sur les deux qu'on a entendus. Oui, mais attends, c'est déjà... enfin, moi, aujourd'hui, je pourrais vous dire que je n'aurais pas pu être ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas rencontré Odile, Désiré, tous ces gens dans ma vie. Parce que ce qu'ils disent de moi, c'est qu'eux aussi, ils étaient comme ça. Ouais. Ça veut dire que quand tu as en face de toi une personne qui te renvoie la balle, qui fait le fair play, qui est aussi déterminée comme toi, aussi fou comme toi, et qui veut obtenir des résultats,
qui ne regarde pas, on n'est pas, nous on n'était pas égoïste. On ne se regarde pas, nous, dit oui, moi d'abord, non. On, voilà, la générosité, c'est la clé du succès ensemble. Ouais. Parce que seul, tu ne vas nulle part. Il faut aller ensemble. Au théâtre, tu as besoin d'un bon partenaire qui te renvoie la balle. Et quand tu montes, il monte avec toi. Ouais. Quand tu te bloques, il te débloque. C'est-à-dire que lui, il ne se bloque pas. Ouais. Il a compris. Bien il vient te débloquer et vous avancez ensemble. Ouais. Et c'est vice-versa. Ouais. C'est le fair play. Ouais. Ces personnes-là sont comme ça, exactement la même chose. Je les aime beaucoup. On ne se voit pas très souvent. Et la preuve en est qu'eux aussi, ils ne sont pas des moindres. Hein. Ouais, ouais. Si vous voyez Désiré dans, de plus en plus loin maintenant dans la série, là, il est magnifique. Ouais. Odile Sankara, je ne peux même pas, je peux rien dire. Ouais. C'est la boss de Récréatral, vous la connaissez. Alors, Issaka, quand on prend le théâtre, on sait qu'il y a des classiques comme Hamlet. Oui. Il y a le costume. Il y a... Qu'est-ce qui a été la pièce vraiment que vous jouez 1000 fois sans vous lasser, quoi. Ah ouais. Moi, j'aime trop les classiques shakespeariennes parce que c'est comme la Bible du théâtre, quoi. Ouais. Le théâtre anglais, c'est riche. Et les Grecs, c'est trop riche. Ouais. Et je me suis même permis, quand on a joué dans Peer Gynt, c'était la pièce classique norvégienne qui m'a fait découvrir la Norvège. Et on l'a adapté au Burkinabé. C'est-à-dire que l'histoire classique de la Norvège, là, nous l'avons adaptée au Burkina et on s'est dit, mais ça, c'est une histoire burkinabé. Quand tu prends Hamlet, quand j'ai joué aussi, c'est une histoire burkinabé, la tragédie dans la cour royale. Ouais. Dans presque tous les royaumes burkinabé, on a connu ça, l'inceste et tout ça, il y en a, ça existe. Tous les sujets ont un côté universel. Oui, et donc pour moi, vraiment, toutes les pièces... Issaka, dans quelques secondes, une demoiselle viendra ici vous poser 10 questions droit dans les yeux. Là-bas, on ne triche pas. Uh-huh. Et si vous êtes contrarié, il ne faut pas mordre la langue. Comme l'autre l'a dit, il faut nous donner les bonnes réponses. D'accord. On va appeler un jeune homme qui vient nous proposer un titre de sa chanson. Je crois que c'est la première fois qu'il débarque ici dans ce grand café. Il s'appelle Willy Pascal. Et ce café aussi a cette ambition-là de présenter et de propulser les jeunes et leur faire un petit éclairage parce qu'ils sont en début de carrière. Mesdames et messieurs, voici Willy Pascal. Il y a des fous, l'homme d'attendre d'inan.
Elle m'a permis savoir ce que c'est que se tenir auprès de quelqu'un qu'on aime. Tu m'as permis savoir ce que c'est que tenir dans ses bras quelqu'un qu'on aime. Tu m'as permis, savoir ce que c'est que partager ses peines. Tu m'as permis savoir ce que c'est que se tenir auprès de quelqu'un qu'on aime. À présent je suis un livre et t'es la seule à pouvoir lire de ton amour. Moi je suis ivre de tes sourires et de mes fous rires. À présent je suis un livre et t'es la seule à pouvoir lire de ton amour. Moi je suis ivre de tes sourires et de mes fous rires. Pascal, bienvenue au Grand Café Willy Pascal. Merci commandant. Merci. Alors il y a eu cette soirée qu'on a baptisée Dieu de rêve. Tout à fait. C'était oui. C'était avec Greg Bukinbila. Avec Greg. Et oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Ouais. C'était une très belle expérience qu'on a. On a pu vivre. Parce que quand on dit Greg, pour celui qui connaît ce timbre de voix, il y a quand même une proximité, voix câline, douceur. Composition fait, oui. Langoureuse, vous êtes presque dans une berceuse. Oui. Vous avez à la limite fait dormir notre public, mais un bon sommeil quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'était beau. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi le projet avec Willy Pascal? Le projet avec Willy Pascal, c'est qu'actuellement nous sommes en plein dans la préparation de l'album. D'accord. Qui, Inch'Allah, dans les mois à venir, va pouvoir enfin voir le jour. D'accord. Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on nourrit le rêve de pouvoir servir quelque chose au d'accord. public. D'accord. Voilà. Ben, vous avez déjà ouvert la porte. Grâce à vous, oui. On n'a pas besoin de l'enfoncer encore plus. Vous y êtes, monsieur. Alors, petite question de curiosité. Vous avez fait Faso Academy ou pas? Faso Academy en 2013. Voilà, oui. Parce que cette voix me dit quelque chose. Mesdames et messieurs, on va applaudir Willy Pascal. Hein? Et bonne chance, cher ami. Je peux me permettre une seconde. Oui, bien sûr. Je vais demander à tout le monde ici, tout le monde. Standing ovation, j'ai bien dit bien, pour ce monsieur-là. Ouais. Parce que quand je l'écoutais, ça m'a ramené peut-être 15 années en arrière. Ouais. Lui, il est venu comme ça avec la main de Floby me voir. Ouais. Tu te rappelles aussitôt? Bien sûr. Et c'était la première fois que je voyais Floby prester. Ouais. Et j'ai dit à Papus, c'est une merveille. Et moi, j'aimerais vous demander tous standing ovation pour ce monsieur-là, parce que c'est un grand... Merci Saka. C'est un faiseur de stars. Merci Saka, voilà, merci pour tout. Vraiment, de l'écouter, ça m'a ramené à ça, ce parfum-là. 2006, Aïe. 15 ans. Merci Saka. Alors, les amis, tout de suite, la table pour les 10 questions dans les yeux de la princesse Yelvi. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en une minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. Au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones.
Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SARL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à zéro franc CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à zéro franc CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise, ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Nous sommes dans les 10 questions. Cette fois-ci, c'est dans les yeux de Afousatou Yelbi. On va l'applaudir très fort. Et Issaka va venir tout de suite pour se coller à ces 10 questions. Applaudissements pour Issaka. Bienvenue, Afousatou. Merci, commandant. Voilà, c'est un café à la fois norvégien et burkinabé. Okay. Naturellement. Voilà. Donc, on vous écoute. Alors, tout à l'heure, je vous ai beaucoup écouté et j'ai compris que je ne peux pas vous intimider. Donc là, je vais m'en tenir à une collaboration. Et je sais que pour aboutir à cette collaboration, si je garde mes principes, vous allez forcément accepter parce que vous êtes un homme de principe, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, oui. C'est ce qu'on dit, d'accord. Alors ici, les principes, mon principe, il est très simple. C'est que je vais vous envoyer 10 questions auxquelles vous devriez répondre par mensonge ou vérité sans commentaire. D'accord. Et comme vous êtes un homme de principe, je suis sûre que, voilà, mensonge ou vérité sans commentaire. Alors, la première question. Il se dit, M. Issaka Sawadogo, que vous êtes plus norvégien que burkinabé. Mensonge ou vérité? Mensonge. Mensonge, d'accord. Vous n'êtes pas norvégien? Non, je ne suis pas plus norvégien que burkinabé. Ok, de toutes les façons, il n'y a pas de commentaire. Il se pourrait que vous, comme vous avez deux nationalités, vous avez également deux foyers. C'est faux. Faux, d'accord. Alors, on dit aussi que vous confirmez qu'un carnet d'adresses suffisamment rempli vaut mieux qu'un diplôme. C'est vrai. D'accord, votre carnet d'adresses à vous, il est suffisamment plein pour déplacer les montagnes? Mmh. D'accord. Alors, Issaka Sawadogo serait prêt à tout pour une ascension, hein? Une ascension? Mmh. Une forte montée. On sait par exemple que vous avez renié votre nationalité. Oui. Pour, oui. Donc, vous êtes prêt à tout? Je suis prêt à tout. D'accord. Alors, vous auriez affirmé que les Burkinabés ne vous considèrent pas assez? Oui. Donc, vérité alors? Vérité. Ça vous fait mal? Pas du tout. D'accord. Il se dit que vous êtes un milliardaire africain. Amen. Applaudissez. Je suis devant un milliardaire. D'accord. Des mécènes ont fait de vous ce que vous êtes. Des mécènes ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vérité ou mensonge? Vérité. Vérité, d'accord. Alors, vous auriez affirmé que le politique n'a pas lieu d'être et que tout devrait se résumer à la culture. Vous balayez du revers de la main la politique? Oui. Ah ouais? Oui. Donc c'est une vérité? C'est une vérité. D'accord. Certaines personnes contestent votre titre de fondateur du CITO. Co-fondateur du CITO. Mensonge ou vérité? Mensonge, parce que je suis, pour ne pas, c'est par humilité que j'accepte
d'être cofondateur, sinon je suis le fondateur du site. D'accord. Voilà. Et il se raconte que vos prises de position sur le salaire que perçoivent les acteurs du cinéma ont attiré vers vous des ennemis. Vous me l'apprenez. Ah oui. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Réfléchissez un peu. Non, ben, non. Parce que vous avez une prise de décision quand même stricte, là. Oui, ben, mes ennemis sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont morveux. Et qui doivent se moucher. D'accord. On applaudit, c'est tout. Ah oui. Normalement, on devait se ressourcer. Et comme je savais que vous avez la force nécessaire pour commencer cette aventure, ouais. j'ai pas pensé à ça, mais bon. Allez. On y va. Bravo, Afisatou. Bravo. L'annon de l'invité avec M. Sanou Ali. Bonsoir, bienvenue au Grand Café. Bonsoir, monsieur. Alors, cher ami, M. Issaka est là. Qu'est-ce que vous avez pensé de son café? Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, je voudrais saluer votre prestation. Merci. Alors, vous avez été exceptionnel. Merci. Donc, vous avez su répondre à toutes les questions. Alors, même si les chroniqueurs ont été un peu sévères envers vous, mais pour cela, je vous félicite pour une deuxième fois. Merci. D'accord. Donc, moi, je décide de vous attribuer la note de 8 sur 10. 8 sur 10. Merci. Merci, monsieur Sanou. Voici Sakande Ibrahim. Sakande Ibrahim, bienvenue au Grand Café. Merci. Monsieur Issaka est là. Les mots me manquent. D'abord, je suis surpris de le voir parce que nous avons projeté un film sur lequel on le voit, les Lascar. Les trois Lascar. Les trois Lascar, du moins. Et par rapport aux questions dont les chroniqueurs n'ont pas franchement dosé, vous avez su répondre avec une franchise qui m'a épaté. Donc, pour une attribution de notes, j'ai donné la note de 10 sur 10. La note maximale, hein, wow. Avec M. Sakande. Ouais. Bon, on est en face d'un fan, hein, M. Sakande. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Mademoiselle Jessica, bienvenue au Grand Café. Merci. Monsieur Issaka est là. Vous étiez pas loin, donc vous avez tout entendu et tout suivi. D'accord. Je me nomme Nimi Jessica, étudiante en deuxième année de comptabilité. C'est un grand honneur pour moi d'être en présence d'un grand homme, Monsieur Issaka Sawadogo. Il a répondu aux questions avec franchise et honnêteté. Donc, je pense que moi aussi, je vais me lancer dans le domaine du cinéma. Bravo. Yes. D'accord. Donc, pour ça, je lui attribue la note de 10. Wow. Issaka le magnifique. Oh, 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 oh. Voici, voici Grâce. Wow. Qui? Mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle qui? Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous avez passé une bonne soirée? Oui, excellente. D'accord. Vous connaissez Issaka avant de venir sur le plateau? Hélas, je ne le connaissais pas assez, mais je suis vraiment épatée parce que je pensais que Thomas Sankara était le seul homme qui avait pu valoriser notre continent, notre pays plutôt. Ouais. Et voici M. Issaka Sawadogo qui vient m'épater ce soir par ses multiples séries et films, vraiment dit mon chapeau. Waouh. Ah ouais. Bon, c'est une découverte pour vous alors. Franchement. Belle découverte. Ben, écoutez, un petit commentaire sur son café et sur sa note. Bah, j'ai aimé sa biographie. D'accord. J'ai vraiment été épatée. Et pour les questions, il a répondu d'une manière franchise. Ouais. Et même s'il titubait un peu, ça m'a donné un peu de la dureté sur sa note. Ouais. Alors, je lui ai attribué la note de 8 quand même. 8 sur 10. Merci. Ouais.
Voilà, avec les chroniqueurs, des fois, il ne faut pas aller franco. Hein. Il faut des fois prendre le temps de voir comment aborder les questions. Et ça, ça se comprend. Issaka, sincèrement, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir ici. Quelqu'un a évoqué les trois Lascars. Pour nous, c'est ce qui reste en mémoire, en thème d'actualité. Ce film de Aboubacar Diallo, donc un compatriote qui a fait le tour de l'Afrique et qui continue de glaner des lauriers. Au passage, je salue mon grand frère Abdoulaye Diallo. Yes. Et je vais te laisser la parole pour que tu nous dises qu'est-ce que tu as pensé de ton café, parce qu'on l'a préparé vraiment pendant longtemps. Oui, d'abord, j'enlève mon chapeau pour te demander d'abord de me pardonner, parce que ce Papus a beaucoup travaillé pour qu'on puisse avoir cette émission. Ouais. C'est indépendant de ma volonté. C'est pas que je faisais Mastermania. Ah ouais, bien sûr. Voilà, c'est l'homme, quoi. Ouais. Et on se connaît, c'est pas aujourd'hui. Bien sûr. Et on s'est toujours respecté. Je l'aime beaucoup. Je sais, c'est tout ce qu'il fait. C'est une sommité culturelle pour le Burkina Faso. Pour ceux qui ne le savent pas, pour la jeunesse qui ne le sait pas, ce monsieur, il n'est pas là où il est aujourd'hui. Et il ne s'est pas réveillé hier pour être là. C'est un travail de longue haleine. Et qui sait ce que c'est doit franchement se donner le courage de dire ce qu'il sait. Moi, je sais que cet homme, c'est un bosseur. Et on a encore du pain sur la planche pour que notre Burkina aille encore plus loin. Pour résumer, c'est pour nous dire à nous d'abord bravo pour tout ce qu'on a pu faire jusque-là et ce qu'on va encore faire. Le combat continue. Ce n'est que le début. Hein. Bien sûr. Et je demanderai à tous les Burkinabés, toute la jeunesse, et même ceux qui sont de la génération avant nous, notre génération, et ceux qui vont venir, il y a une vérité au Burkina Faso. Notre pays regorge de talents. Ouais. Nous avons tout pour nous, et nous pouvons réussir à tout bout de chemin. Si nous mettons un peu de zèle, de confiance, et que nous acceptons nos échecs et nous les prenons comme des galons pour avancer, nous allons bâtir une nation fière de l'Afrique et du monde entier. Nous sommes véritablement des hommes intègres. Et quand on dit un homme intègre, c'est vraiment dans le vrai sens du mot. L'intégrité, ça ne ment pas. L'intégrité aussi, c'est les échecs. Il faut accepter qu'on ne connaît pas et aller à l'école de ceux qui savent pour apprendre. Et quand on a appris, on devient roi, on devient maître. Ça s'appelle l'humilité. Que les Burkinabés puissent mourir et développer l'humilité. Le respect de soi amène le respect d'autrui. Il faut qu'on se respecte. Aujourd'hui, quand on regarde un peu dans le Burkina, ceux qui ont des grosses voitures ne respectent plus ceux qui ont des petits engins. À peine même, ils veulent les écraser. Où est l'intégrité de l'humain burkinabé? Il est où? Je me pose chaque fois cette question. Nous avons tous à gagner, toute la nation entière, à retrouver notre intégrité, notre humilité et nous tenir la main dans la main. Moi, je me rappelle, à l'école primaire, nous, on chantait « Pour la paix, il n'y a jamais, citoyens des peuples du monde. » Voilà, tout ça, quand on chantait et on se tenait la main, on vibrait, on était des enfants, mais on vibrait parce qu'on était forts. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il faut qu'on retrouve cette intégrité-là, qu'on regarde tous devant nous vers l'avenir. Le Burkina est un pays aimé de Dieu. Dieu nous aime. Donc, aimons-nous les uns les autres, attrapons-nous la main dans la main et avançons. Nous avons un beau pays devant nous. Merci, Issaka. Voilà. Dimanche ce café-là, c'est le meilleur. Merci. Dimanche prochain, ici encore, un autre invité, un autre grand café. Ouais. À bientôt. Merci. Un grand merci. Au lycée Thomas Sankara. On va vous demander de vous applaudir encore une bonne fois. Bravo. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites.
tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre prêt en une minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force. Finissez en force. Nescafé. Captée dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. Au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, du drone. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Monnaie. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Monnaie partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise, ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Monnaie ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Monnaie, il y a toujours de belles surprises. Orange Monnaie, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.